Bonjour. Dans le cadre des cours sur les suites, aujourd'hui nous allons parler de la notion de limite d'une suite. Mais dans un premier temps, je vais vous rappeler le principe général de définition d'une suite. Donc on considère qu'une suite est un opérateur que l'on note un entre parenthèses, qui est un antinaturel, donc petit n élément de grand n, que l'on appelle l'antécédent, associé un réel noté un, qui en fait est le terme de la suite, et qui s'appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de ce rapide principe, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image. En revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc, à partir de ce rappel, de ce cadre, on va passer directement aux différentes notions du cours. Et on va commencer par la définition de la limite finie. Donc, le cadre de cette définition considère une suite un, donc soit un, une suite. Et à partir de là, on dit que lorsque quand n prend, je vais écrire plus gros, prend des valeurs de plus en plus grande, un, donc le terme un est de plus en plus proche d'un réel que l'on note L. Eh bien, la suite un a pour limite L, et l'on note limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à L. Donc voilà la définition de la limite finie d'une suite. Maintenant, on va passer aux limites infinies. On va commencer par la limite infinie positive. Donc la limite infinie positive. Donc le cadre de cette définition est le même que celui de la définition précédente. On considère une suite un. Et on dit de la même façon, lorsque, quand n, donc l'antinaturel, prend des valeurs de plus en plus grandes, le terme un devient de plus en plus grand. On va écrire mieux. De plus en plus grand. La suite un tend vers plus l'infini. Et on note, limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à plus l'infini. Donc lorsque, quand n, c'est antinaturel, prend des valeurs de plus en plus grandes, donc c'est-à-dire lorsque n tend vers plus l'infini, et bien lorsque quand n tend vers plus l'infini, le terme un devient de plus en plus grand, c'est-à-dire que lui aussi tend vers plus l'infini, à ce moment-là on dit que la suite un tend vers plus l'infini, et on note, limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à plus l'infini. Donc même chose, on va passer maintenant à la définition de la limite infinie négative. Donc la limite infinie négative, donc on a le même cadre de définition. On considère un
une suite. Et on dit une nouvelle fois, lorsque, quand l'antinaturel n prend des valeurs de plus en plus grandes, donc lorsque, quand n prend des valeurs de plus en plus grandes, le terme un devient de plus en plus, cette fois petit, donc de plus en plus petit. Donc j'entends par de plus en plus petit qu'il est en fait de plus en plus grand en valeur absolue, mais de signe négatif. Donc de plus en plus petit. Alors la suite un tend vers moins l'infini. Et on note limite quand n tend vers plus l'infini de un égale moins l'infini. Donc je répète, on considère une suite un lorsque, quand l'antinaturel n prend des valeurs de plus en plus grandes, eh bien le terme un lui devient de plus en plus petit, c'est-à-dire de plus en plus grand en valeur absolue, mais de signe négatif, c'est-à-dire quand un tend vers moins l'infini, eh bien on dit alors que la suite un tend vers moins l'infini, et on note la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à moins l'infini. Ça veut dire que la suite un a pour limite moins l'infini. Donc maintenant on va passer au cas particulier des suites qui n'ont pas de limite. Donc on intitule ça la suite sans limite. Le cadre de la définition est toujours le même. On considère une suite un et on dit, encore une fois, la même phrase magique, lorsque, quand l'antinaturel n prend des valeurs de plus en plus grande, le terme un, justement, ne devient pas de plus en plus grand, ne devient pas non plus de plus en plus petit, donc ne devient pas de plus en plus petit, et ne devient pas, là on va faire référence à la limite finie, de plus en plus proche, donc de plus en plus proche d'un réel L, à ce moment-là, on dit que la suite un n'a pas de limite. Donc en fait, cette définition n'est rien d'autre que l'opposé des trois définitions précédentes. C'est-à-dire que cette troisième étoile oppose la première définition. Donc on considère que la suite un, enfin en fait le terme un de la suite un, lorsque l'antinaturel n prend des valeurs de plus en plus grandes, donc c'est-à-dire lorsque petit n tend vers plus l'infini, eh bien le terme un ne devient pas de plus en plus proche d'un réel L. Ça veut dire que là, on n'est pas dans le cas d'une limite finie. Le terme un ne devient pas de plus en plus grand, donc on n'est pas dans le cas de la limite plus l'infini, et ne devient pas de plus en plus petit, donc on n'est pas dans le cas où la limite est moins l'infini. Donc on n'a pas une limite finie, pas une limite plus l'infini, pas une limite moins l'infini. À ce moment-là, on dit que la suite un n'a pas de limite. Voilà, maintenant on va passer à la petite rubrique les astuces.
Et pour ce cours, dans la rubrique les astuces, on va dire que avant de déterminer, donc avant la détermination de la limite de la suite un, par exemple, c'est la suite un qu'on considère. Donc avant la détermination de la limite un, il peut s'avérer utile d'en calculer les premiers termes. Donc typiquement, on va dire jusqu'à n égale 4 ou maximum n égale 5. Pour quelle raison? C'est toujours la même réponse. Ça permet d'avoir une idée a priori du comportement de la suite. Donc, si vous voyez que les premiers termes sont de plus en plus grands, eh bien, ça vous permettra d'affirmer que la suite n'a pas pour limite moins l'infini. Et ça laissera entrevoir l'idée que la suite pourra avoir comme limite plus l'infini, par exemple. Si vous voyez que les premiers termes tendent à converger très rapidement vers un réel L, eh bien, ça laissera croire que la suite a une limite finie. Donc, tout ça pour dire que ça donne un bon a priori. Maintenant, on va mettre tout ça en pratique en passant aux exercices. Donc, on va commencer par l'exercice 1, qui consiste à calculer la limite de la suite un qui a pour terme général un est égal à moins 2 entre parenthèses à la puissance n. Donc on va reprendre la rubrique des astuces et on va s'amuser dans un premier temps à calculer les premiers termes de n pour se faire une idée. Donc u0 c'est égal à moins 2 puissance 0, c'est-à-dire 1. u1 c'est égal à moins 2 puissance 1, c'est-à-dire moins 2. u2 c'est égal à moins 2 au carré, c'est-à-dire 4. u3 est égal à moins 2 au cube, c'est-à-dire moins 8. u4 est égal à moins 2 à la puissance 4, c'est-à-dire 16. Donc là, on constate que on fait du 1 moins 2, 4 moins 8, 16. Voilà. Donc j'en dis pas plus et on va passer maintenant à la détermination de la limite. Mais ça vous permet d'avoir une idée du comportement de cette suite. Donc, que dire pour la détermination de la limite de cette suite? Eh bien, on va y aller par étapes, on va y aller progressivement. On va dire d'abord que une suite alpha n, de terme général alpha n, est égal à xi puissance n, avec xi strictement supérieur à 1, eh bien, c'est une suite qui tend vers plus l'infini, puisque le terme xi étant strictement supérieur à 1, on va dire que limite, quand n tend vers plus l'infini, de alpha n est égal à plus l'infini. Donc on va se rapprocher de ça. On va dire que la suite an, par exemple, qui a pour terme général an est égal à 2 puissance n, et bien comme 2 est supérieur à strictement à 1, on va dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite an est égale à plus l'infini. Donc question, qu'en est-il de notre suite un qui a pour terme général moins 2 à la puissance n, c'est-à-dire que ce n'est pas 2, maintenant c'est moins 2. Donc, si on observe les termes de cette suite, on voit que c'est un chiffre négatif mis à la puissance n. Donc, pour toute puissance n est égale
enfin pour toute puissance m égale à 2m, avec m un autre entier naturel, c'est-à-dire pour tout n pair, on aura le terme un qui sera strictement positif. Pour tout n égale 2m plus 1, j'insiste, je considère que m est un entier naturel, c'est-à-dire pour tout n impair, on aura un, le terme un qui sera strictement négatif. Donc, on voit qu'on a un coefficient ici, c'est-à-dire un réel qui est strictement supérieur à 1, donc ce terme-là va, en valeur absolue, être de plus en plus grand. Mais une fois, c'est-à-dire pour un n pair, il va être positif, pour un n impair, il va être négatif. C'est exactement ce qu'on observe ici. La valeur absolue de un croît. En valeur absolue, on a 1, 2, 4, 8, 16. Par contre, on voit que le terme est une fois positif, une fois négatif, une fois positif, une fois négatif. Donc, que peut-on dire en conclusion? Je vais effacer ça. Enfin, en conclusion de toutes ces observations, on voit que le terme un ne devient pas de plus en plus proche d'un réel L quelconque, puisqu'effectivement le terme un croît en valeur absolue. Il ne devient pas non plus de plus en plus grand. Alors effectivement, il devient de plus en plus grand, mais uniquement en valeur absolue. Il ne devient pas de plus en plus grand puisqu'il alterne un signe positif et un signe négatif. Et enfin, il ne devient pas de plus en plus petit. Il ne devient pas de plus en plus petit. Et là, on voit qu'on retrouve la définition d'une suite qui n'a pas de limite. Donc, conclusion. La suite un n'a pas de limite. Donc, voilà le premier exercice. On va passer maintenant à l'exercice 2, qui consiste encore une fois à déterminer la limite d'une suite, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, exercice 2, il s'agit de la suite un de terme général un égale moins 1 sur n2 moins n. Alors, on peut s'amuser à calculer les premiers termes. Oui, là, on va dire qu'elle est définie pour n supérieur ou égal à 1. Même pas. Pour n strictement supérieur à 1. Voilà. Donc, on commence par U2. U2, c'est égal à moins 1 sur 2 au carré 4 moins 2, c'est-à-dire moins 1 demi. U3, c'est égal à moins 1 sur 3 au carré 9 moins 3, c'est-à-dire moins 1 sixième. U4 est égal à moins 1 sur 4 au carré 16 moins 4, c'est-à-dire moins 1 douzième, et ainsi de suite. Donc je vous laisse entrevoir sur cette base le comportement de la suite un. Je ne vous en dis pas plus. Je vais prendre ça. Alors, comment calculer la limite de cette suite un? Eh bien, on voit que le terme un a un numérateur constant. Donc, on ne va pas s'intéresser au numérateur. On va s'intéresser au dénominateur. Et on va dire que quand n tend vers plus l'infini, que se passe-t-il? Eh bien, le terme n2, lui, il tend vers plus l'infini. Je vais écrire mieux.
plus l'infini. Le terme n, il tend vers plus l'infini. Donc, moins n tend vers moins l'infini. Donc, n2 moins n tend vers, je le mets volontairement entre guillemets, vers plus l'infini moins l'infini. Pourquoi je le mets entre guillemets? Eh bien parce que ce terme-là constitue une forme indéterminée. Donc, on a une forme indéterminée. Donc au dénominateur, parce que là pour l'instant on s'intéresse au dénominateur. Donc pour lever cette indétermination, je vais effacer ça. Pour lever cette indétermination, que fait-on? On va au dénominateur, donc pour ce terme-là, mettre en facteur n. Donc je l'écris là. On met n en facteur au dénominateur. Donc le dénominateur qui s'écrit n2 moins n, on met n en facteur, on va dire que c'est n facteur de n moins 1. Et à ce moment-là, quand n tend vers plus l'infini, eh bien, n facteur de n, non, on va l'écrire autrement, n tend vers plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini, c'est écrit directement là, et n moins 1 tend aussi vers plus l'infini. Par conséquent, le facteur n moins 1 tend lui aussi vers plus l'infini. Donc, le dénominateur du terme un tend vers plus l'infini. Tend vers plus l'infini. Je vais pouvoir en mettre là maintenant. Ça signifie qu'on se ramène quand n tend vers plus l'infini à un terme un qui lui tend vers moins, et je le mets entre guillemets, 1 sur plus l'infini. 1 sur plus l'infini, on prend une quantité finie que l'on divise par une quantité infinie, ça va tendre vers 0. Voilà. Donc ça veut dire que un tend vers 0. Et je vais l'écrire mieux. Je vais dire que limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à 0. Voilà la résolution de l'exercice 2. On passe maintenant à l'exercice 3. Donc il s'agit encore une fois de déterminer la limite d'une suite un. Cette fois, une suite un qui a pour terme général un égale n2 sur n plus 1. Donc, on va appliquer une fois de plus les astuces. On va calculer les premiers termes. Donc, U0, c'est 0 au carré sur 0 plus 1. C'est égal à 0. U1, c'est 1 au carré sur 1 plus 1. C'est-à-dire 1 demi. U2, c'est 2 au carré sur 2 plus 1, c'est-à-dire 4 tiers. U3, c'est 3 au carré sur 3 plus 1, c'est-à-dire 9 quarts. U4, c'est 4 au carré sur 4 plus 1, c'est-à-dire 16 cinquièmes. Donc, voyez l'évolution des termes de la suite un. Ça vous donne une idée de son comportement. Maintenant, suivons la méthode à appliquer. Donc, quand n tend vers plus l'infini. Alors, on décompose les différents éléments qui constituent le terme un. Quand n tend vers plus l'infini, n2 tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que le numérateur tend vers plus l'infini. De la même façon, si n tend vers plus l'infini, ça veut dire que n plus 1 tend vers plus l'infini. Par conséquent, le rapport n2 sur n plus 1 tend vers plus l'infini sur plus l'infini.
que je mets volontairement entre guillemets parce que c'est une incorrection en fait, c'est une tolérance d'écriture, mais ce n'est pas correct mathématiquement. On n'a pas le droit d'écrire ça. Donc ça signifie qu'on a une forme à déterminer. On a une forme indéterminée. Par conséquent, il faut lever cette indétermination. Donc pour lever cette indétermination, on va mettre n en facteur. Donc, on met n en facteur au numérateur et au dénominateur. Alors, qu'obtient-on ? Si on met n en facteur au numérateur, ça nous fait n facteur de n. Et on met n en facteur au dénominateur, ça nous fait n facteur de 1 plus 1 sur n. C'est-à-dire n facteur de 1 plus 1 sur n. J'efface les premiers termes. Et maintenant, on va reprendre le raisonnement. Donc, quand n tend vers plus l'infini, qu'en est-il des différents éléments qui constituent le terme un? Donc on a n qui tend vers plus l'infini, donc le numérateur tend vers plus l'infini. 1 sur n, puisque n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0. Donc 1 plus 1 sur n, ça tend vers 1. Par conséquent, n sur 1 plus 1 sur n, ça tend vers plus l'infini sur 1, c'est-à-dire plus l'infini. Ce qui nous permet de conclure que la suite un a pour limite plus l'infini. Et on peut l'écrire autrement. Limite quand n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini. Voilà ce qui termine l'exercice 3. Donc on va aborder le dernier exercice de ce cours. Et une dernière fois, on va déterminer la limite d'une suite, toujours appelée un, mais cette fois qui a pour expression de terme général 3n plus 1 sur n plus 2. Donc encore une fois, on applique les astuces pour avoir une idée du comportement de la suite. On calcule le terme U0. Donc U0, c'est 3 fois 0, donc 0, plus 1, ça fait 1, sur 0 plus 2, 2, donc 1/2. U1, ça fait 3 fois 1, 3 plus 1, sur 1 plus 2, donc ça nous fait 4 tiers. U2, c'est égal à 3 fois 2, 6, plus 1 sur 2 plus 2, c'est-à-dire 7 quarts. U3, 3 fois 3, 9, donc plus 1, sur 3 plus 2, c'est-à-dire 10 cinquièmes, c'est-à-dire 2. On peut calculer U4. U4, c'est 3 fois 4, 12, donc plus 1, sur 4 plus 2, c'est-à-dire 13 sixième. Donc je vous laisse observer l'évolution de ces termes-là. Ça vous donnera une idée assez claire du comportement de cette suite. Maintenant, appliquons la méthode. Donc, quand n tend vers plus l'infini, qu'en est-il des différents termes qui constituent un? Donc, 3n tend vers plus l'infini. Ça signifie que 3n plus 1 aussi tend vers plus l'infini. Et de la même façon, n plus 2 tend vers plus l'infini. Par conséquent, le quotient 3n plus 1 sur n plus 2 tend vers plus l'infini sur plus l'infini. On a encore une fois affaire à une forme à déterminer.
Si vous voulez plus d'informations sur les formes indéterminées, notamment les méthodes pour lever les formes indéterminées, je vous renvoie au cours qui traite des fonctions et en particulier des limites de fonctions. Et il existe en ligne sur ce site un cours spécifique aux formes indéterminées. Donc là, on va aller plus rapidement. On a une forme indéterminée plus l'infini sur plus l'infini. Comment fait-on pour la lever? On met n en facteur au numérateur et au dénominateur. Au numérateur et au dénominateur. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un est égal, donc l'expression c'est 3n plus 1 sur n plus 2. C'est-à-dire au numérateur n facteur de 3 plus 1 sur n. Donc on met n en facteur au dénominateur, ça nous fait n facteur de 1 plus 2 sur n. C'est-à-dire 3 plus 1 sur n au numérateur et 1 plus 2 sur n au dénominateur. Je vais effacer les premiers termes et maintenant on va appliquer à nouveau le raisonnement qu'on applique systématiquement, à savoir quand n tend vers plus l'infini, qu'en est-il des différents constituants de l'expression de un? Eh bien on a 1 sur n qui tend vers donc 1 sur plus l'infini, c'est-à-dire 1 sur n tend vers 0. De la même façon, 2 sur n tend vers 0. Donc 3 plus 1 sur n tend vers 3 plus 0, donc tend vers 3. Et 1 plus 2 sur n tend vers 1 plus quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 1. Voilà. Par conséquent, le quotient 3 plus 1 sur n sur 1 plus 2 sur n, ça tend vers 3 sur 1, c'est-à-dire 3. Je vais pouvoir effacer ça. Ça signifie que la suite un a pour limite fini, en fait, le réel 3. Donc on peut l'écrire autrement. Limite quand n tend vers plus l'infini de un égale 3. Voilà qui termine ce dernier exercice sur la notion de limite propre aux suites. Donc je vous dis au revoir, à bientôt pour d'autres cours sur les limites ou sur le programme de première de mathématiques. Au revoir.